Vous êtes sur RTI1, bonjour et bienvenue dans le Flash Info. Quelles sont les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire? Pourquoi faut-il investir dans le pays? Le Premier ministre ivoirien va répondre à ces questions ce matin face aux investisseurs européens. Il est à Paris sur invitation du Conseil des investisseurs en Afrique. Quelles sont les zones forestières ivoiriennes en état d'alerte maximale face au virus Ebola? Des postes avancés ont été installés tout au long des frontières avec le Libéria et la Guinée. Le ministre de la Santé s'est rendu à Mont pour engager davantage le personnel du comité de coordination mis sur pied. C'est un reportage signé Chantal Akandan. Mont, la capitale des 18 montagnes à l'heure de l'application stricte des mesures préventives prises par le gouvernement ivoirien face à la menace de la fièvre Ebola. Le message de sensibilisation de l'État a touché les populations. Aujourd'hui, elles ont changé d'habitude alimentaire. Ces poissons, on ne prépare. On ne prépare pas viande de brousse encore. On dit de ne pas préparer. Ça donne les maladies aux gens. La maladie Ebola. Depuis que la maladie Ebola est venue, franchement, ça ne marche pas. Les clients viennent, ils demandent après la viande de brousse, hérisson, akmani, tout ça là. On fait le poisson, mais on ne demande pas ça assez. À la télévision aussi, on a eu quand même plus ou moins les échos. Ce qui se passe en Guinée, au Libéria, un peu partout. Notre médecin qui est passé pour nous sensibiliser effectivement sur ce virus-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne mange plus de la viande de brousse en tout cas. Je consomme du gibier, à l'occurrence de la goutti. Et puis la biche. Voilà, ça c'était notre nourriture favorite. Mais maintenant, nous avons stoppé à cause de la maladie qui prend de l'ampleur. Voilà, le virus Ebola. Voilà, donc le gouvernement nous a demandé de ne pas consommer le gibier. Voilà, donc on a arrêté de consommer. La Côte d'Ivoire a pris des mesures préventives, notamment la création des postes avancés le long des frontières avec la Guinée et le Libéria, où des cas de fièvre Ebola ont été détectés. Les districts sanitaires sont à pied d'œuvre dans leur mission de veille et de contrôle pour traquer des cas éventuels. À ce jour, aucun cas n'a été détecté. Pour autant, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida s'est rendue à Mont pour rencontrer les autorités administratives, coutumières et sanitaires. Raymond Goudou les engage à ne pas baisser la garde. Cela ne va pas durer. Nous devons être solidaires pour une période, celle de faire en sorte qu'il n'y ait aucune entrée du virus Ebola en Côte d'Ivoire, mais que surtout nous n'ayons zéro décès en Côte d'Ivoire par rapport au virus Ebola. Je continue de mobiliser mes troupes, aussi bien au niveau des agents de santé. Je veux me permettre de dire que je mobilise également mes troupes au niveau des préfets, voilà, qui sont nos représentants dans les régions et sur le terrain. Dans la sensibilisation des populations, tous les préfets des départements du district des montagnes sont en première ligne, multipliant les contacts avec les composantes de la population. Avec la Guinée, nous avons une frontière importante. Je suis allé, n'est-ce pas, à la frontière. Une frontière, je dis officieuse, donc, de par le village de Glanlé, où j'ai échangé avec le chef de village, avec tout, n'est-ce pas, toutes les populations, pour leur dire de faire attention. Et je pense, n'est-ce pas, qu'elles ont compris. Et à leur niveau aussi, n'est-ce pas, elles s'organisent. C'est la première fois que nous avons une telle épidémie. Bon, il y a encore des incrédules, mais je pense qu'on va faire un effort pour que ça rentre définitivement et que les gens soient convaincus que la maladie existe. Entre sensibilisation et mobilisation des populations, le préfet de la région du district des montagnes mène des actions terrain. Il a ordonné, pour exemple, la destruction de 120 kg de viande de brousse. La journée mondiale de la tuberculose est célébrée tous les 24 mars. Cette année, la Côte d'Ivoire l'a commémorée hier 6 avril. Occasion pour les autorités sanitaires de sensibiliser la population et les informer sur cette maladie. On guérit bel et bien de la tuberculose. La seule condition est de suivre scrupuleusement les traitements. Le ministre de la Santé a par ailleurs invité toutes les populations à se faire dépister de la tuberculose.
20 ans après, le Rwanda se souvient. Le pays commémore le 20e anniversaire du génocide des Tutsis de 1994. Entre 800 000 et 1 million de morts en 100 jours, l'une des tragédies les plus meurtrières du 21e siècle. Les coups d'envoi de la cérémonie a été donné par le président rwandais qui a allumé la flamme de l'expérience au mémorial consacré aux victimes du génocide. Plusieurs chefs d'État et de secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, assistent à cette commémoration. Et la commémoration du génocide se fait sur fond de polémique avec la France suite à des accusations de complicité au génocide lancées contre le président français par le président rwandais Paul Kagame. La délégation française a annulé sa venue pour cette date anniversaire. Au Nigeria, 79 personnes tuées dans une attaque attribuée à des éleveurs peuls. Le précédent bilan donné par la police était de 30 morts. Il a officiellement été porté à 79 morts. En France, Jean-Louis Borloo a décidé de mettre fin à ses fonctions et mandats politiques. Il démissionne de la présidence de l'Union des démocrates indépendantes UDI et du Parti radical, ainsi que de la présidence du groupe à l'Assemblée nationale. L'ex-ministre, âgé de 63 ans, considère que son état de santé ne lui permet plus d'assurer ses charges politiques. Et voilà qui met fin à ce Flash Info, le journal à 13h sur RTI 1.